Ce soir, on va aborder la question de l'insaisissable du corps, ici au Collège des Berlardins, à travers 5 intervenants. On va aborder cette question premièrement à travers une représentation des théâtreux, et ensuite une danseuse va intervenir deux fois et nous présenter des extraits de son nouveau spectacle nocturne. Monsieur Barbier, donc, qui organisait la conférence, m'a proposé d'intervenir, de faire aussi un travail avec les élèves d'Hippocagne, donc les théâtreux. L'idée, c'était d'être assez concret. Et le travail qu'on a fait au départ sur la sculpture des bourgeois de Calais, c'était de partir de leur corps à eux, et puis aussi de leur vision de la sculpture, de ce qu'ils ressentaient, de qu'est-ce qui les touchait, l'idée de mise en espace aussi, et puis de point de vue. L'insaisissable du corps nous permettra de réfléchir avec des intervenants d'exception au mystère du corps, révélé dans le corps représenté ou le corps en scène. Chacun de nos intervenants est concerné par cette question du corps, mais ils le sont à des titres très divers. Ont-ils pour autant une approche si différente de ce qu'est le corps ? Nous avons la chance d'accueillir avec nous une théologienne, un professeur à la Sorbonne, la directrice du musée Rodin, un ancien danseur qui est actuellement professeur de danse, un comédien. C'est beaucoup de disciplines différentes qui vont permettre d'avoir une réflexion profonde sur la question du corps. J'ai vraiment envie de voir comment est-ce que ces cinq intervenants qui viennent de milieux différents, comment est-ce qu'ils vont pouvoir ensemble parler du même sujet, la question du corps sur scène, comment est-ce qu'ils vont pouvoir parler tous ensemble d'un seul sujet, communiquer, se répondre, avoir des différends ou non. Il y a l'expérience que font les artistes de l'altérité dans l'identité. La création artistique est fondée sur le désir, Dante et Béatrice, et que justement le désir a à voir avec sans doute cette altérité que nous sommes et que nous ne sommes pas. Quels moyens les sculpteurs se donnent, ou les artistes se donnent pour saisir l'insaisissable ? Ce que j'en sais pour Rodin, en tout cas. Il y a ce double rapport chez lui en permanence, de saisir au plus impromptu de la vie et du mouvement, et en même temps d'essayer d'y embarquer le public de l'époque. La beauté, ce n'est pas simplement l'esthétique. La beauté dit quelque chose du mystère de la personne. Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, vous savez, dans ses catéchèses qui parlent du corps, aime de parler du corps comme étant le sacrement de la personne, le moyen par lequel elle révèle qui elle est en profondeur. Mais on voit bien que ce qu'on est en profondeur nous échappe toujours. Ce qui était intéressant, c'est de voir comment différentes expressions artistiques permettent au corps de s'exprimer. Donc ça nous permet de découvrir à quel point le corps est porteur d'un langage. On peut exprimer des sentiments, on peut exprimer des idées que l'on a, on peut exprimer de l'affection. Donc on voit que le corps peut exprimer énormément de dimensions de notre humanité. Que quand on est dans la création, on projette quelque chose. Moi, c'est plutôt de provoquer l'émotion, d'engager, disons, le spectateur dans ce qui se passe sur scène. Le danseur souhaite émettre une émotion, émettre une essence qui fait que l'insaisissable va être saisi d'une certaine façon. Je ne peux pas dissocier le corps du verbe, le verbe du corps, et comment voulez-vous incarner un personnage si le corps ne suit pas ? C'est mon instrument. En tant que comédien, que pourrais-je faire sans ? Tout ça nous dépasse encore une fois.